viens de terminer de lester le corps, tu vois. C'est-à-dire lester le corps, tu dois le remplir de certaines choses. Parce que tu dois savoir que quand tu immerges un corps dans l'eau, il se gonfle d'air, hein, tu vois. Et alors il a tendance à remonter à la surface. Donc tu es obligé de le lester afin qu'il coule. Hein. Donc tu le lestes avec des cailloux, des choses un peu lourdes. Hein. Tu vois, il y a un barème quand tu lestes un corps, c'est-à-dire tu fais trois fois son poids. Normalement, un homme moyen comme cette victime-ci, c'est trois fois son poids. Mais sinon, par exemple, ça change, hein. Tu vois, pour les enfants ou pour les nains, ça change. Pour un enfant, il est plus léger, un enfant, hein. C'est deux fois son poids. C'est quatre fois son poids. Comment ? Non, non, parfois, par exemple, pour les nains, c'est une fois son poids. C'est beaucoup plus lourd, hein. Les os sont beaucoup plus lourds chez un nain, donc c'est une fois le poids. Une vieille dame, par exemple, ou un vieil homme, cinq fois le poids. Les os sont poreux, déjà, hein. C'est tout. Mon grand-père. Ouais. Et dis, il y a 53 ans que je la supporte. Raconte. Tu te rends compte qu'elle a faux, elle a fait. Mais ben, qu'est-ce qu'elle a fait, la faux? C'est moi ou c'est lui? Chapeau bas, hein, 53 ans que je l'ai toléré. Ben, quand il était petit, c'était le petit garçon rieux. Un petit comique. Il était blond comme les blés. Oh. Ah, papa ne touche pas de nous, alors je ne dis ben, pas. Non, mais tu me fais pleurer. Oh, ben, tu gâches tout. Oh, mais il était super. Il était gentil. Ouais. C'est, il était affectueux, c'est gentil, il riait tout le temps, tout le temps. Mais comme tu dis, il était. Mais il papa, a pleuré, mais non, mais tu ne me comprends pas. Ben, tandis comme il. Hein, quand mais il non, est... tu ne me comprends hein. Pas, papa. Oh, il se battait comme des chiens. Il se battait. Ah, il se battait comme des chiens qui se battaient. Oh! Moi, généralement, en début de mois, je me paye un petit facture. Hein. Je me lève le matin et je prends en matinée pour récolter les pensions. Ce qui me permet, par la même occasion, tu vois, de repérer les vieux qui ont de l'argent. Hein. J'évite par-dessus tout, c'est les jeunes couples qui commencent, parce que ça pue la pauvreté. C'est très agréable. Mais les vieux, hein, ils ont de l'argent, ça c'est sûr. Les vieux pauvres, je n'en connais pas. Avare, oui, hein. Mais pauvre, non. Non, non. C'est moi ou le... C'est les gamins, vous regardez. Vas-y. Donc j'en ai un revolver comme moi. Bien fait quand même ces petites choses-là. Un peu. Hein? Allez jouer. Hein? Allez jouer. On n'est pas école? C'est ça le drame avec une femme.
Oui, elles m'ont fait souffrir, oui. Parce qu'elles... Elles, je leur ai donné des choses. Elles m'ont donné des choses. Et à un moment... tu remets en question tout cela à cause de cette petite porte. Parce que cette porte, dans un couple, doit rester ouverte. Et à un moment, si elle est ouverte, soit c'est pour faire entrer de nouveaux aliments, tu comprends? Soit c'est pour sortir. Soit tu rajoutes une petite graine. Et la petite graine, c'est quoi? C'est l'enfant. La petite graine, c'est les plaisirs, c'est les vacances. Soit tu t'en vas et tu reprends tes graines, tu reprends tout, tu comprends? Et le cœur d'une femme, parfois, tu n'es même pas conscient que la porte est ouverte. Et qu'il faut soit rajouter une graine, ou soit foutre le camp. Et les femmes m'ont fait souffrir parce que moi j'ouvrais grand les portes et les femmes les fermaient. L'amour laisse comme une traînée de soufre derrière lui, comme une odeur qui traîne et que malgré tout, dès que tu rencontres quelqu'un, tu sens, un peu comme quand tu vas pisser et que tu sens tes doigts. Tu vois, ça sent toujours. Faut te laver les mains 2-3 fois avant que tu oublies d'avoir fait pipi. Regardez bien, je vais vous montrer quelque chose. Quand j'étais gamin, hein, on m'appelait la pieuvre. C'est pourquoi on m'appelait la pieuvre? Parce que je savais faire bouger n'importe quel organe individuellement. Hein. Je vais te montrer. De façon indépendante. Regarde, le nez. Regarde, hein. Pimpon, pimpon, pimpon. T'as vu? Maintenant, regarde bien les oreilles. Regarde, hein, attention. T'as vu? Regarde, regarde, regarde. Maintenant, la droite. Et la gauche. T'as vu? Et alors, j'en ai un autre qui bouge. Mais celui-là, je ne le montre pas au caméra. Coupe ça, imbécile. Ça a été pour rentrer hier soir? Ouais, mais c'est passé. J'ai pensé à vous, je me suis dit, il doit être crevé. Tu nous lances les clés? Tu descends ou tu nous lances les clés? Je jette les clés, tu ne sais pas monter. Ah, d'accord. Mais quelle bonne nouvelle! Et comment vas-tu? Ça va. Ginny, je viens ici avec une caméra, des gens qui font quelque chose sur moi. Ah! Ça te dérange pas? Non, pas du tout. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Allez, rentrez. Vous restez pas là? Oh! Et quelle bonne nouvelle! Il y a ça va. Allez, je lui en ai le chien à te retrouver. Ah oui, ça va. Je pensais que tu habites encore que du sablon, là, une place du sablon. On a dû déménager de la place du Sablon pour rénover, et voilà. Mais oui, j'ai eu l'adresse par Maurice qui m'a pour finir. Mais que je suis contente de te voir, oh là là. Dis, tu n'as pas quelque chose à boire? Il va. Gorge sèche, tu vois. Qu'est-ce que tu veux boire? Oh, tu prends ton petit cognac. Hein? Tu prends du cognac? Oui, je prends un petit cognac. Et les amis? Demande-leur ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Quelque chose de frais, moi. Vous de frais? Ouais. Et monsieur? Bon, une bière, moi. Et monsieur? Un cognac. Allez, allons-y alors. Ça, c'est ma Jenny. C'est elle, c'est son univers, c'était dans les grands moments de sa vie, ça. C'était quand elle était splendide. Elle est toujours splendide. Hein. Là, c'était au moment où je l'ai connue, vous voyez? Et alors, ça, c'est les... L'oubli de Jenny. Et je vous montre un truc. Tu bronzes.
Tu vois? Tu bronzes dans un amour. C'est bien quand t'as fini de faire l'amour, et ben t'as le cul tout bronzé, tu vois? Tu ressors avec le cul tout bronzé. Tu connais ça, toi? Et non. Alors? Oh, rien, je le remonterai. Des enneries. Jenny habitait déjà, comme je vous l'ai dit, elle a déménagé, c'est pour ça qu'on a eu du mal à la retrouver. Hein. Mais Jenny a habité pendant 30 ans dans le quartier du Sablon. Et t'as eu une compagnie immobilière dont je connais même plus le nom, c'est pas ça qui était important, qui a décidé comme ça du jour au lendemain de s'installer, c'est-à-dire bon, tu t'installes, d'accord, il y a des lois, il y a qu'est-ce que tu veux, c'était pas à nous la maison non plus, hein. Enfin, qui a foutu le boxon, qui fout tout le monde dehors comme ça d'un coup. Mmh. Si bien que, bon, il y a la manière de le faire, tu vois. Bref, on a dit à Jenny, tu t'en vas. Il y a eu un petit malin, enfin, un grossier qui a manqué de tenue, je trouve, dans la manière de le dire et de le faire avec Jenny, si bien que... Bon, tu sais, le Sablon va peut-être changer de visage, mais il y en a déjà un qui n'en profitera pas. Ça, c'est normal, on fait du mal à quelqu'un de ta famille, tu... Alors j'ai été discuter un peu avec ce petit monsieur, hein. Oh, j'ai le téléphone. C'est normal. Allô? Pitou, je te ressemble tout de suite, je suis encore occupé à travailler. À tout de suite. Les saillots, un veilleur de nuit noire. Ça, si c'est pas un coup dans le dos, c'est dégoûtant. Juste pour qu'on ne le voit pas. Tu te rencontres, Amy, jusqu'où ils vont? Mais ils se permettent tout, hein. Pauvre gosse, un enfant du soleil, tu te rends compte? Ce gosse a été élevé sous les baobabs, si ça tombe. Et maintenant, il est ici sur les chantiers. Quelle horreur, ça me dégoûte. Ils se croient tout permis, ces gens. Hein. C'est comme ce ciment. Tu peux être sûr que c'est un ciment hongrois, hein. La loi de l'éternel provisoire. Hein. Et tu peux être sûr qu'ils mettent beaucoup plus de sable qu'ils ne mettent de ciment. Hein. Ça, c'est certain. Hein. C'est des économies de bouts de chandelle et après, les murs se lézardent. Ça, c'est certain. Il y a des fissures, tout le bazar. Hein. Enfin, j'ai été coulé deux maghrébins ici, dans la colonne nord. Hein. Attention, hein, je les ai tournés vers la Mecque. Hein. Tu peux être sûr que dans 2 ans, on verra leur structure. Ça, c'est certain. Bon, on va aller couler le Mobutu là-bas. Hein. Regarde-moi ça. En plus, il était beau garçon. Hein. En tout cas, je vous préviens tout de suite, je ne touche pas à ça. Hein. Ça. Sida. Sida, Rémi. Le sida. Les singes verts. Je n'y touche pas. Prends-les par les caoutchoucs si tu le prends, mais moi, je n'y touche pas. Hein. Puis regarde-moi ça. Pourquoi les habiller en jaune si on ne doit pas les voir? Enfin, encore heureux qu'il n'y ait pas des chiens, parce qu'en général, ils sont entourés de molosses. Et. Ça, je n'aime pas. Tu sais que les noirs s'entendent très très bien avec les animaux. Hein. C'est très connu, ça. Ils ont une façon de leur parler. Hein. Ça, c'est. C'est le moment ou jamais. Hein. Quoi? De savoir si c'est vrai cette légende. À propos de leurs proportions. Rémi! Enlève-lui son pantalon ou tu sens les. Seigneur. Oh, c'est quand même bien fait. Oh là 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 là. Allez, remballe tout ça, Rémi, c'est écœurant à la fin. Tu te rends compte que ce gosse n'a même pas 18 ans et qu'il est déjà bâti comme un mulet? Mais tu sais que ces gosses-là, en général, travaillent dans le dancing la nuit. Ils gagnent leur argent souvent avec ça. Lui, ça doit sûrement être un prude parce qu'il travaille sur le chantier. Mais t'en as qui vivent de ça, hein, de leurs membres. Hein. C'est terrible. Ça te fait rire, toi? Oh, bon, bien sûr, ce n'est pas avec ça que tu vas gagner ta vie, quoi. Tu vois, ici, on est dans un quartier à majorité de vieilles personnes. Hein. C'est-à-dire que les urbanistes conçoivent des logements dits sociaux. Hein. C'est-à-dire des logements faits pour les jeunes, pour les jeunes couples qui démarrent, hein, pour les ouvriers, pour les ménagers, mais aussi peut-être pour les chômeurs. Hein. Tout ceci dans le plan d'une restructuration des plans de secteur visant à vaincre la solitude du troisième âge en l'intégrant à la population active. C'est une chouette idée. Mais où je ne suis pas d'accord, et c'est là qu'est la faille, c'est comment peut-on concevoir des habitations sociales sans la moindre recherche esthétique? Ça n'est pas possible. Hein. Je suis désolé. Allez. Hein. Bon, ils avaient pensé à installer des cerisiers du Japon tout le long des allées. Tu vois, un peu dans le style cité balnéaire anglaise. C'est une riche idée. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Non. Si, ils l'ont fait. C'était pas mal parti. Mais ils se sont arrêtés là. Et c'est ça qui est dommage. Hein? Mm-hmm. Tu vois, c'était de la poudre aux yeux. Ils ont jeté de la poudre aux yeux, les gens ont dit oui, mais non.
J'ai été observateur, j'ai remarqué qu'on s'est arrêté à un moment et c'est ça qui est dommage. Regarde, qu'est-ce qui te saute la première fois que tu vois ça? La première chose qui te saute aux yeux? Les briques. C'est les briques rouges. Ouais. Et le rouge, c'est la couleur de quoi? Le rouge, c'est la couleur du sang, le rouge, c'est la couleur des Indiens. C'est la couleur de la violence. Mmh. Hein? Alors que le fléau de notre société, et tout le monde s'accorde à le dire, est la violence, ils vont te foutre des briques rouges. Mais le rouge, c'est aussi la couleur du vin, mon vieux. Le vin qui dit vin dit pot de vin. Ouais. Parce que tout ça, c'est magouille et compagnie, c'est politico, je ne sais pas tout quoi, mais tu vois, c'est des histoires de fric. Et ça me désole, hein. T'en sors, tu vas n'importe où avec ta caméra. Les gens, ils aimeraient pouvoir s'arrêter et dire, tiens, quel beau parterre, quelle magnifique asymétrie, et, oh, et quelle belle tonalité de briques. Mais on ne leur donne pas l'occasion non plus. Alors ils préfèrent rester devant leur téléviseur et c'est dommage. Moi, personnellement, si j'avais dû concevoir ce genre de choses, j'aurais vu une habitation, tu vois, de plein pied, avec de grands parterres très aérés, un peu à la Frank Lloyd, typiquement dans l'esprit des habitations japonaises. Parce que ces gens-là, malgré tous leurs défauts, avaient compris beaucoup de choses. Hein. Parce que tu sais, privilégier l'esthétique, c'est une chose. Privilégier le fonctionnel, c'est en être une autre. Et ces gens-là ont trop privilégié le fonctionnel. Ce que ne faisaient pas des gens comme Gaudi, qui faisaient cette architecture magnifique, tu sais, cette architecture organique, qui semblait partir dans ses eaux. Ou même des gens comme Émile Horta, qui ont fait des choses magnifiques, hein, le célèbre coup de fouet. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Nous sommes une équipe de télévision. Oui. Et nous effectuons un reportage sur les vieilles personnes et la solitude, oui, dans les grandes cités. Oui. Auriez-vous l'obligeance de répondre à quelques questions, s'il vous plaît? Je veux bien, si ça ne dure pas trop longtemps. Non, je vous assure, nous serons très très brefs, oui. Bon, ça va. Ah, je vous remercie. Je vous en prie. Nous allons nous faire très petits. Oui. Voilà, c'est l'équipe. Bonjour. Prenez place. Hein? Allons-y. Ne soyez pas intimidé par la caméra, hein. Restez naturel, parlez comme vous parlez d'habitude, hein? Oh, mais ça me dérange pas, parce que j'ai déjà été filmée sur la place de Mont. C'était la musique militaire, ça m'a bien plu. Oui, c'est très bien, nous avons déjà quelqu'un qui est habitué à l'image, c'est bien, ça. Oui. Dites-moi, je peux vous poser la première question, alors? Oui, bien sûr. Oui? Dites-moi, madame, est-ce qu'il y a dans votre entourage, ici parmi vous, quelqu'un qui vous rend souvent visite, ou quelque chose comme ça? Oh, ben j'ai des connaissances et je suis bien surtout avec tout le monde et on m'appelle mamie et... Et mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, mamie Tromblon, hein? Tu vois, ici, c'est un peu particulier, hein. Quand je suis rentré, j'ai tout de suite vu sur la table la boîte de ces dockers. Et je ne sais pas si tu sais... Mais une boîte de ces deux cœurs, c'est un médicament pour les gens qui souffrent du cœur. Donc ici, j'ai foutu une trouille bleue, ce qui me permet d'éviter de gaspiller une balle, tu vois. Et pour les voisins, et pour moi, et pour elles, c'est beaucoup plus simple, tu vois. J'essaye de prendre de nouvelles techniques, comme ça. Et je crois qu'elle en a plus pour très longtemps, là, déjà. Dis, je ne sais pas, hein, mais je pense qu'on va aller directement à ce qui nous intéresse, si on allait au pactole, hein. Vous me suivez dans la cuisine? Je regarde sur la nappe. Dis, serre-toi, hein. Servez-vous, hein. Il y en a pour moi, il y en a pour vous. Allez-y, je sais que vous avez des difficultés pour votre film, alors franchement, moi, je partage, il n'y a pas de problème. Merci, Ben. Dis, allez, on continue, venez, suivez-moi, je vais vous montrer parce que vous ne devez pas... Attention, hein, j'ai dit qu'il devait y en avoir sous le lit, je ne sais pas, mais je ne sais pas, non, je la sens, cette chambre. Oh oui! Oh la petite cochonne! Oh là là, dis donc, mais. Attention. Bingo! Et hop là! En avant et bingo! Maintenant, je vais vous montrer un petit quelque chose. Alors, ici, ce sont les petites choses, bijoux, verroterie, compagnie, quoi.
m'a donné faim, la vieille. C'est de quoi j'ai envie, Rémi? Non. J'ai envie de moule. Un bon gros plat de moule, plein de légumes, de jus avec des frites. C'est bien. Et où est-ce qu'on trouve des moules? Au restaurant. À la mer. Allez, je vous invite tous à la mer. Ça vous dit? Allez, on prend la bagnole, en deux heures on y est, on part faire un bon plat de moule, un peu de boisson et ce serait une chic soirée, hein? Pour fêter ça, allez. D'accord. Ben, arrête de tout le temps sourire. T'aimes bien les moules, oui ou non? Oui, j'aime bien les moules. Alors, prends-moi cette tête d'abruté, alors on y va? Mais peut-être que André devrait rentrer ce soir. Quand tu vas rentrer, André? J'avais pas prévu ça, quoi. Ben, allez, tu téléphones, on y va, hein? Allez. Patrick. Si André doit partir, ça sert à rien. Hé, les gars, c'est quand même vous qui devriez m'inviter, non? Allez, on y va, allez, on va se marrer. Une autre fois, alors, ou bien... On peut leur faire ça une autre fois, non? Moi, ça va, mais eux, ils ont des obligations. Ouais, c'est vrai. Ouais. Si on prévient, si on prévoit à l'avance, moi, ça va, quoi, si on le dit à l'avance. Allez, c'est bien gentil, hein. Viens avec moi, là. Bon. J'ai pas de voiture. On ira tous ensemble. Non, ça, laissez ça. Laissez tomber. Je vais aller me trouver un restaurant ici tout près. Ça va. Ok, les gars. Mais une prochaine fois sans problème. Mais pas de problème, hein. Une prochaine fois. On aura encore d'autres occasions. Quoi? Il y aura d'autres occasions. Oui, il y aura sûrement d'autres occasions, ouais. Ben, je sais pas moi. Prochaine, vous me faites signe quand vous avez besoin de moi, hein? Mais tu veux qu'on te raccompagne? Non! Je vais marcher, ça ouvre l'appétit. Parce que ça, on peut te raccompagner. Non, ça va. Je vais marcher un peu, je te dis, ça ouvre l'appétit. Merci, hein. Les gars. Et Rémi, André me laissait entendre tout à l'heure que vous avez quelques problèmes pour terminer le film et pour acheter de la pellicule. C'est juste que nous avons... Eh bien, il va de soi que je suis prêt à partager mon pellicule, hein. Merci, je serais ravi. Je serais ravi. Merci beaucoup. C'est gentil. Et s'il faut faire des heures supplémentaires, on fera des heures supplémentaires. Mais là, ça ne sera plus un film qu'on fera, c'est une saga. Allez, on lève notre verre à la vieille. Allez, de bon cœur. Chin. Allez. Qu'est-ce que vous prenez, un blanc, un rouge? Vous me laissez choisir. Vous laissez choisir? Quel médecin? Je crains qu'aujourd'hui, le choix de monsieur ne soit pas des plus judicieux. Si je peux juste me permettre, Tu ne te permets juste rien du tout. Tu vas d'abord me soigner cette mauvaise peau et ensuite tu te permets. Hein? Allez. Tour à tour, finot. Tour à tour, polisson. Tour à tour, gangster. Mais tour à tour, généreux. Quel que soit le montant que tu me demanderas, Rémi, toujours, je dis bien toujours, Benoît y pourvoira. Merci Benoît. Merci. Bravo. Merci. Avec la mer du Nord, le long du golfe clair. Et des vagues dodues pour arrêter les vagues. Et des poissons volants comme des goélands. Et des planctons, en veux-tu, en voilà. Et des saumons rouges surgissant de l'au-delà. Et les méduses amères, et les algues pourpres, et les goémons d'hiver. Rien, non. Rien ne m'empêchera de citer ton nom. Mère, 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 cruelle marâtre mère, et les eaux qui me... Qu'est-ce que t'attends pour de couilles leur sac? Je pense qu'il faudrait aller chercher une serpillière. Ça va? Ça. Ça. Les moules qui devaient être arrivés. T'es pas malade? Non, ça va. On va rentrer. J'ai payé, on va rentrer. Ça va?
C'est Valérie qui, par ses relations mondaines, me fait goûter les différents milieux culturels. Et il y a des milieux très très étroits. Hein. Et aujourd'hui, c'est le milieu de la peinture. Et le milieu de la peinture, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Moi, c'est une très belle exposition suédoise. Tu as regardé, Rémi ? C'est très intéressant, les Suédois. Ils ont une sensibilité à fleur de peau. Hein. Moi, quelqu'un que j'aime beaucoup en art, c'est Bernard Buffet. Je ne sais pas si tu connais. Tu vois qui je veux dire, non ? Oui ? Il a fait une affiche pour Robert Hossein. Tu connais Robert Hossein, hein ? Pour un spectacle de Robert Hossein qui s'appelait La vie de Jésus. C'est une grande main tendue comme ça vers le ciel. On ne voit que la main et ça évoque Jésus. Tu comprends, la scarification du bazar, hein ? Les grandes mains, les grands dessins, super. Mais Robert Hossein est un crack, hein ? Il sait choisir ses collaborateurs. Tu aimes bien Robert Hossein ? Il a fait de très beaux spectacles, hein ? Tu as vu, oui ? Tu sais que c'était un acteur, hein ? Un très très grand acteur. Il a fait du cinéma, hein ? Il a fait du cinéma, il a réalisé, hein ? Geoffroy, Marquise des Anges, c'est Robert Hossein, hein ? Tu peux parler, hein ? Ton silence est assez éloquent. Si on peut appeler ça un métier. Un métier. Non, bah, je m'occupe pas de ça du professionnel. Chacun a le droit de gagner sa vie. Puis, Benoît est un ami de longue date. Ah bah, ah bah tiens, Rémi, en parlant de Buffet, le blanc. Viens un peu ici. Allez, mon peu. T'es intimidé par la caméra. Serrez-vous de tous, hein. Moi, je mange toujours ce qu'il y a dessus, mais jamais ce qu'il y a en dessous. Et là, qu'est-ce que tu viens de jouer, là? C'est un fa dièse. Un fa dièse. Et qu'est-ce que tu viens de jouer? Je joue un fa bécard. Un fa bécard. Ma crotte. 4, allez. En fait, j'ai connu Valérie à l'académie. La mesure, Valérie, la mesure, s'il te plaît. Beaucoup trop rapide. Elle devait avoir à peu près 10 ans. Elle avait de longues nattes noires comme ça, près des oreilles, des petites soquettes blanches, une petite jupe. Elle était tout le temps en train de sourire, de courir un peu par... Elle était tout le temps en retard, déjà. On en riait beaucoup. Moi, je devais avoir 17-18 ans, et je l'ai tout de suite pris sous mon épaule. Elle me jouait des petits menuets, des pièces courtes. J'essayais de l'accompagner. Puis elle a continué, elle a fait la trajectoire qu'on lui connaît, et je l'en félicite. Et moi, j'ai changé l'instrument. Piano ? Non, le bon bardon. Mais attention, ça se tique comme un cuivre. Je crois que j'ai touché, hein ? Je pense qu'il était où ? Là-dedans. Il est passé par ici, hein ? Dis, Rémi. Oui ? Tu ne trouves pas que ça sent bizarre ici ? Ça sent ? Ça sent la trouille, Rémi. On se rapproche, tu sais. La lie est pour bientôt.
Nous sommes en pleine période d'accouplement. Regarde cette plume. Tu la vois? Elle est visqueuse. Parce que le mâle secrète une matière grasse et puante qui attire la femelle dans ses filets. La nature. Pigeon. Oiseau à la grise robe. Dans l'enfer des villes, à mon regard, tu te dérobes. Tu es vraiment le plus agile. Merde, 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 merde. Y a un problème, là ? Hein ? Y a un problème ? J'ai perdu quelque chose. Ouais. Ma gourmette. J'ai perdu ma gourmette, un bracelet, quoi. Oh merde. Sentimental? Communion, hein. C'est inhumain. Surtout, il a du mal à la voler, hein. Un gosse qui aura le même prénom que moi, je ne retrouverai pas ça deux fois, hein. Puis ça fait 20 000 balles, hein. Je le sais, j'ai acheté avec le père. Ouais. Non, ici, je vois rien du tout, hein. La seule fois. T'as rien trouvé ? Non. La seule fois où je suis sorti me baigner avec ma chevalier, je l'ai perdu dans les galets. Impossible ouais. De la retrouver ici, c'est la même chose, hein. À quoi veux-tu que je cherche ? Avec un détecteur de métal ? Un zoom sur ta machine. Tu sauras me faire un zoom et me dire où il est. Ça va toi? Désolé pour votre copain, c'est un accident, Arrête, gamin, arrête. Ça commence comme ça et après tu prends le goût, arrête. Une vengeance. Arrête. Allez, je sais bien que tu arrêtes. Chez Malou, hein? Allez. Sally qui veut faire un essai en gardien où elle peut. Elle n'a pas tout fait. J'avais complètement oublié ça. Ça va voulu que tu sois mon papa alors, hein? Et le premier maintenant. Un sang qui rase. Allez, tu viens m'aider au grain, 18 déchets, des guerriers. Kémy. Première, la
va pas la faire trop longue quand même, hein, parce que je suis un peu fatigué. Bonjour. Ça va? Ça va. Pas grand monde, hein? Ben non, pour le moment, non. Enfin, ça viendra, hein. Début. Faut jamais désespérer, hein. Voilà, s'il te plaît. Si. Tu vois encore quelque chose de valable, hein? J'ai eu un très beau match hier à Saint-Gilles, le Poids-Plume de Maroc, là. T'as été une vraie boucherie. Non, il a décimé le petit Frédéric, là. Il me fout de la gueule partout, fait même sur les rings, maintenant, c'est incroyable. Terrible. Il avait une bonne détente, ce petit Marocain. Petit de taille. Petit, ouais. Ils sont tu n'as jamais été non plus très grand sur les rings, toi. Non. Non, mais enfin, j'avais quand même un piston. Oui, voilà. Un sacré piston. Ça voilà, fait... c'est ça, le piston. Hein. Prends le crime de la guerre, par exemple. Hein, le crime des toilettes. De quoi on a parlé dans les journaux? De qui? Allez. Allez, de qui on a parlé dans les journaux? Du mécanicien dentiste. Même un pipi, on n'en a pas tiré une ligne. Pas une ligne, mon vieux, rien. Un petit kidam, ça ne fait pas de veille. Tu tues une baleine, t'auras les écolos, t'auras Greenpeace, t'auras le commandant Cousteau sur le dos. Mais décime un banc de sardines, j'aime autant te dire qu'on te mettra à les mettre en boîte, hein. Alors, je préfère travailler petit, hein. En somme, vous avez peur des gros. Quoi? Vous avez peur des gros? Ben, tu n'as rien compris du tout, hein. Tu m'énerves, toi. Je préfère encore parler avec lui qu'avec toi. Je n'ai pas peur des gros, Marie-Mi. Je n'ai pas peur des gros, honnêtement. Hein? Non, simplement, je n'aime pas ce qui fait du bruit, moi. Je n'aime pas ce qui fait des vagues. Alors, je préfère travailler petit et que ça rapporte beaucoup. Parce que des quartiers résidentiels, j'en connais, mon vieux. Hein? Quand tu veux, je peux aller... Ben, on y va, alors. Eh ben, on y va, quand tu veux. Ce soir, parce... Quoi? Je dis pas ce soir, parce qu'on peut prendre du sang. On n'a pas de problème de sang, donc je ne me sens pas capable. De toute façon, je dois encore aller bazarder le taximen. Je vais aller à la carrière parce que le canal, ça m'énerve. Malo, c'est pour moi. Alors voilà, le tournage s'est arrêté momentanément. Patrick, notre preneur de son, est mort. Ce sont des choses qui ne sont pas faciles à dire et je vais peut-être le dire platement, mais ce sont les risques du métier. On en est tous conscients et je pense que Patrick l'était. Je pense qu'il faut continuer ce film parce que c'est ton film, Patrick. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire et qu'on pensait tous à toi et à Marie-Paul, la fille avec qui tu venais de t'installer et qui attend un enfant de toi. Ciao Patrick. Courage Marie-Paul. Non, 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 ouf, non, 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 trop près de la route, ça. Hein, attends un petit peu. Attends ici, Rémi. Toi qui voulais du résidentiel, t'as voulu servir vieux, hein. A dû bien noter, hein. Y'a plus qu'à attendre maintenant. On va attendre tout doucement que la nuit tombe, hein. Passe-moi un peu une bière. Oh putain. Qu'est-ce qui remet les jambes comme ça? Je n'ai pas toujours été... Oh! Regarde-moi ça. Dans 10 ans,
cette petite guerre sucera des bites comme sa mère. Oh, t'imagines comme la nature est bien faite. C'est incroyable, ça. Elle n'en sait rien encore. Ça tombe, elle n'a pas encore vu la couleur d'un gland. Jérémy, je pense à ça. Tu ne trouves pas qu'il y a beaucoup d'homosexuels dans votre milieu? Dans le milieu du spectacle, dans le milieu du spectacle. Vous qui êtes dedans, je trouve qu'il y en a beaucoup plus dans votre milieu que dans les milieux normaux. Ah, si, allez, dis ce que tu veux. Regarde, ça ne vous gêne pas que je parle de ça, hein. Allez, Charles Trinet. Charles Trinet, c'est une notoriété publique, par exemple. Allez, tu... Non ? Pas moi, c'est mes... Moi, je trouve qu'il y en a plein. Je trouve vraiment qu'il y en a beaucoup. Ça ne me gêne pas, hein, personnellement, moi, ça ne me gêne pas. Toi, tu dois en connaître, quand même, André, de... C'est un Cocteau, peut-être. Non, il y a un Cocteau, c'est Jean-Marie. Mais toi, tu dois en connaître, des homosexuels. André. Non. Parce que je vous regardais l'autre jour, tous les trois ensemble, mais... N'êtes pas homosexuel. Non. Jure, Rémi. Oui, bah, ça ne me gêne pas, tu peux l'être, hein, mais... Non, il n'y a pas de problème. Comme la porte, Rémi. Alors, je calme. L'indice de valorisation constant a nouveau repris ce 18,8 points à 5576,1. Celui de valeurs étrangères au terme de 7,2 points à 1393. Catherine, s'il te plaît! André, Rémi, ça ne me rappelle rien, ça? Le vieux fusil! Philippe Leray! Bon film, ça. Franco, viens ici. Mets ton micro là. Ça, c'est de moi. C'est pas le gros noir, ça. Il a grossi, un vieux noir, et puis... Seul dans ce bois, hein. T'as éteint un peu ta lumière. Et Dieu, c'est mieux que ça m'est. Rémi, tu peux pas m'aider, tiens-lui les jambes et les bras. Le sale gamin. Hé, mon Dieu, tiens-lui les bras, là. Voilà. Tu es heureux, enfant, même. Non. Non. Comme tu peux remarquer, je ne suis pas vraiment habitué de ce côté-là. Ça doit être mon deuxième ou mon troisième enfant en 5 ans. C'est ça. Je n'aime pas l'infanticide. Pourquoi? L'enfant ne rapporte rien, Rémi. Tu vois, il n'est pas... Théoriquement, il n'est pas solvable. Ah tu bon? Comprends? Oui, mais il peut rapporter de l'argent, quand même. Ah, tu fais référence au kidnapping.
Oui, mais tu sais, je crois que c'est plus une source d'embarras qu'autre chose. Surtout si les médias s'en mêlent. Attention, hein, je ne dis pas ça pour vous parce que... Vous êtes relativement discret, ça. Chapeau. Ça va, je crois. Ça a fait courir le merdeux. Il n'y a rien ici. C'est vraiment du travail bâclé. Je t'avais dit qu'il fallait pas faire les quartiers résidentiels. Bah, il y a les cartes de crédit, hein. Les cartes de crédit? Bah, autant appeler les flics tout de suite. Tu veux les appeler, le téléphone de là? Non, c'est rien du tout, c'est n'importe quoi. Plus on a plus trop d'argent pour la pellicule, hein. Quoi? On a plus trop d'argent pour la pellicule. L'argent, c'est pas un problème. L'argent, moi, j'en ai. Ce qui est malheureux, c'est pour les trois innocents, là. Ça ne devrait pas arriver, des trucs comme ça. Moi, je suis pas un fou non plus, hein. Tu vois, c'est quand même triste de laisser des grandes maisons comme ça, là, dans le monde. Allez, tu remettrais une couche de peinture sur les murs et quelques glaces, et tu apprécies. Si je mettrais déjà plus de couches de couleur que je le pense, C'est terrible comme tu as mauvaise haleine, toi. Tu devrais faire attention quand tu parles près des nez des gens, parce que c'est désagréable au possible. Attention à la fenêtre, hein, André. Attention, mais pour pas tout le temps de cogner, si c'est vrai, je ne sais pas ce que tu as, mais le matin comme le soir, tu as une haleine de bouc et c'est désagréable quand tu parles fort près des gens. Faites pas trop attention aux désordres. Allez! Combien il vous faut cette fois-ci? 10 000. Combien? 10 000. 10 000? Mais non, t'es Dieu, tu le dépenses celui que je ne le gagne, Rémi. Rémi, je te dis que ça m'emmerde. Tu sais, je suis désolé, c'est parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Oui, il n'y a pas assez de lumière, mais moi, hier, quand j'ai travaillé avec le gosse, ça m'a gêné. Ça m'a ébloui et j'étais gêné. Je suis désolé. Oui, t'es désolé. Eh ben tiens, pour ta mauvaise oreille, prends un bonbon. Juste avant ça, je lui disais... Enfin, on a assez d'images, on a assez de sons, mais... Il me disait, mais... On n'en a jamais assez. C'est un garçon charmant qui allait jusqu'au bout des choses. Nous pensons tous à toi, Franco, et ce film t'est dédié. Je pense surtout à Marie-Paul, la fille avec qui tu venais de t'installer. Qui est un enfant toi. Ricardo Giovanni, dit le rossignol. Compétent, mais dissipé. Trop dissipé. Comme tout le Méditerranée. Sortez-le. Oh bah merde alors. Une équipe. Vous les connaissez? Non. Hein? Réalisateur, nous sommes en tout. Des noms de Dieu, André. Regarde-moi ça, cette grosse caméra. Ça, c'est du bon matériel, merde alors. Ça t'intéresse pas? Non, c'est de la vidéo. Et nous, c'est quoi? Des films. Des films. Oh! Ah, il est mis. Faut autant profiter de l'auberge. Tu vas le faire quand même, cette fois-ci. Ah!
ça fait 68. 2 fois 23, 46. Ah non, c'est 3 fois 23. Et encore une fois 23. Voilà, tenez. Vous croyez que vous avez de la place, monsieur? Sinon, je peux vous demander un sac. Chandra, la 5 grammes. Ça va? Ça va? Oh, il faut me renvoyer une fois pour une fois qu'il y a quelque chose. Hein, pour une fois que c'est une occasion. Mais vous ne pas lui dire. Moi, je prendrais, enfin, très français, ça. Malaga. Je n'en peux pas. Un muscat. Pas. J'ai pas de muscat, mon. Pas d'alcool. Mais non. Un coca. Ah, ça j'ai. Bien glacé. Ouais. Chaleux, hein. Attends, la mienne n'est pas là. C'est tout magasin, là. Mais je peux prendre quand même autre chose. Quoi? Ce que j'ai pris avec Hugues. Maintenant. Pour toi. Pour toi. Oui, mais ça. Pour ce qui est tout. Non, mais fais attention, c'est tout parce qu'il ne peut pas boire, hein. Ah, pourquoi? Pour pas le faire boire. Parce qu'il ne peut pas. À cause de quoi? Ah, parce qu'il a été malade. Ah bon? Ah oui. Qu'est-ce qu'il a eu? Ah, il a eu des espaces vasculaires, il peut risquer une thrombose. Ah, ouais, ouais. Ah oui, oui, oui. Faut faire attention. Faut pas qu'il exagère, hein. Un verre. Et en plus, il oublie. Ça fait qu'il oublie ce qu'il a bu. Alors c'est encore pire. Tu comprends? Oui, d'accord. Il ne le sent pas, hein. Ça va. Tu cours sur toi? J'ai du slip de Brigitte Bardot. Le type était enthousiasmé. Mais je dis, ça coûte 200 francs le slip, hein. Mais à ce moment-là, 200 francs, c'était je beaucoup. Parle de ça, à cette époque-là, c'était beaucoup. Alors, j'ai fait l'affaire avec lui. Alors, je devais aller quand même chercher un slip. Je vais au magasin Odolez, au boulevard du Nord. Je vais acheter un slip, je le chiffonne, je reviens. Deux slips, t'es acheté. Deux slips? Ouais, ouais. Non, un slip. Alors, je lui ai donné un, je dis voilà le slip. Et j'ai eu les 200 barreaux. Et il a gardé. Et j'ai vendu 200 francs le slip de Brigitte Bardot. Donc, autant. Mais ça valait au moins 1000 francs maintenant, hein. Ah, à cette époque-là, hein. Et il croit toujours que c'est le slip de Brigitte Bardot? Je pense que oui. Parce que je lui ai demandé ces dernièrement s'il l'avait toujours, hein. Il m'a dit je le conserve. Ouais, oui, ça a été authentique, hein. Authentique, hein. Dehors, il y a ces petits troncs avec le drap, c'est pas une sœur à la grand-mère. Oh là, rallume, Rémi. Mais quel charme ce film d'époque, hein. Hein? Quel charme. Mon grand-père se débrouillait quand même pas mal, hein, pour un... Il avait un tout petit matériel, hein. J'adore revoir ce truc de... Tu vas me les bousiller, hein, c'est ça? Alors tire doucement avec ton... On va descendre parce que vous allez me péter tout ce qu'il y a ici dans la chambre. Oh, ben voilà! Je crois que... Il y a tout, donc ça ira, tu sais, pour ça moi. Ça ira? Ouais. Tu veux faire des oranges? Non, j'aime pas les fruits. Non, c'est vrai, ouais. Hein. C'est un enfant qu'on a tué, mais avant, on avait tué ses parents. Donc, il a vu qu'on tuait ses parents. Je ne sais pas si tu te rends compte. Moi, je te garantis, mais on ferait ça à mes enfants. Je les égorge. Et je te garantis bien que moi, il n'y aurait pas de tribunaux, il n'y aurait pas de jugement, et tout ça, je ferais la justice moi-même. C'est un aussi pour le combat. Qui? Roger. Non, t'as fait rencontrer les filles, c'est quoi? On m'a dit qu'il recommençait à boxer. Hein? Bah, je sais qui s'est passé là derrière. Khalifa! Explique un peu à monsieur comment t'as trouvé ton travail. C'est monsieur Benoît qui m'a laissé ici.
Dis, ça fait longtemps que t'es plus venu me voir. Quoi, dis? Je ne savais pas où vous trouver. Je ne comprends rien à ce que tu dis. Je ne savais pas où vous trouver, monsieur. Benichou, il ne m'embrasse pas, lui. C'est qu'il n'est pas content de me voir. Il est fort pâle, cet enfant. Après demain, tu viendras me voir. Je te donnerai un peu d'argent. Tu lui achèteras un nouveau cartable. Et tu me feras plaisir d'acheter une nouvelle chaussure. On dirait une bohémienne. Ça suffit, hein, okay. Tu vas pas recommencer, hein. Amis du cinéma, petite rectification. Je vais vous montrer les superbes nichons de Malou. Malou! Nichons! Ben, ça suffit. On a bien fait. Oui, non, ça va. J'en ai marre de te foutre. Ça va. Qu'est-ce que tu bois, Amélie? La même chose. Un petit Grégory. Non, tu ne boiras pas de bière, un petit Grégory, je te dis. Qu'est-ce que tu bois? Un petit Grégory. Un petit Grégory. Et toi, à nouveau? Un gin orange. Un gin orange, non, tu bois un petit Grégory comme tout le monde. Allez. Malou, quatre petits Grégory. D'accord. C'est ça. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Un petit Grégory? Ouais. Une bombe. Une vraie bombe. Tu vois. Ah. Malou. Fais-les nous torcher. Tu sais ce qu'il y a, Malou? Non. T'es une colérique. Et une colérique, ça se joue des tours. Mais il y a des quoi, hein? Ça te joue des tours. Oui, mais non, ça ne me jouera pas des tours. Ça te joue des tours. Comment ça te jouera des tours à toi? Oui. Arrête de rire, imbécile. Arrête de me tromper, c'est rigolo. Ah, mais Judy. Quelle sale gueule! Tu peux avoir Rémi quand tu ris! C'est incroyable! Il y a une sale gueule quand il rit! Tu aurais dû me laisser le filmer, en vrai! Mets-nous une larme de Jim. Une rivière de tonique. Et ensuite, la petite victime. Composée d'une petite olive, d'un petit morceau de sucre et d'un petit bout de ficelle. Et nous avons le petit Grégory. Petit rappel de Barheim. Combien de fois faut-il mettre le corps de l'enfant quand on l'immerge? Rémi. Combien de fois le corps de l'enfant, s'il te plaît, Rémi? Une fois le poids. Tais-toi, laisse répondre Rémi. Une fois le poids, poids, oui. Une fois le poids. Pourquoi? Parce que les os sont... Heureux. Et si je t'emmerde, tu le dis, hein. N'écoute pas, tu as l'air complètement inattentif. Bon alors, ensuite, tu prends ton petit Grégory et tu l'immerges. Et tu attends le résultat. Dès que l'olive est remontée, si tu es le premier, tu as perdu. Tu payes la tournée. C'est pas compliqué. Nom de Dieu, je fous chaque fois m'enlever son vivier. Je viens servir à boire. Oh merde. Perdu! Merde. Malou! Tu remets la même chose. Ah! André, deuxième. Rémi, troisième. Ben Vincent, t'avais vachement bien fait ton petit colis, toi. Cocu. C'est ton cocu. Ben je paye la suivre. Alors. Je pensais quand même. J'ai bouffé mon Grégory. C'est déjà ça qui me coûtera moins.
pas bouffer la fessée avec. Oh, non, celle-là, elle est trop. Je dégoûte avec mes défauts. Non. Cinéma. Cinéma, oui, je sors, je suis cinéma. Cinéma. Cinéma de Saint-Lantin. Mon existence, et toi, gamin, fils de Lucien, le cinéma fait de toi un bon gamin, et que c'est quoi? Cinéma! Cinéma! Oh, si vous filmez en train de pisser, sentez-vous! Abaissez! Ah, sur le quai des brumes, chante Michel Morgan, et ses yeux sont charmants, comme disait si bien Jean. Cinéma, cinéma, ça et de film en film. Cinéma, cinéma, dans les bras fond de Noël, parfois. Et toi, Yvan, tu chantes Noël. Cinéma, cinéma. C'est la ronde de nuit. Plus de bruit, c'est la ronde de nuit. Ah, diligence, vol en silence. La chance en bruit, c'est la ronde de nuit. Allez, regarde-moi ce beau machin, allez. Allez, regarde-toi, regarde. Ne bouge pas, ne bouge pas. Oh, mais tiens. Elle s'appelle comment ta femme? Martine. Comment? Hein? Martine. J'aime bien connaître le nom d'une femme avant de la faire jouer. Si elle sait que vous êtes des brutes, ce qu'il faut y aller, c'est en douceur. Allez, comme un oiseau. Comme un petit oiseau qui rentre au basket. Comme un petit cochon. Ah oh! Oh! Sale putain! Sale putain, là! Sale putain! Oh! Oh! Ah, tu vois, regarde, elle gueule! Elle gueule! Quand je suis rentrée tourner, ma concierge m'a donné ça. Et je... C'était dans une boîte depuis 3 jours, ça sentait déjà. Mmh. Et quand j'ai ouvert, j'ai eu un choc. Hein. Je savais pas si je devais m'en débarrasser ou vous le montrer. Oui, t'as bien fait de me le montrer, mais tu peux le ranger maintenant. Hein. Ouais, il fallait que je vous le montre. Hein, ouais, t'as bien fait. Mais...
sais ce que c'est? Oui, oui, bon, t'inquiète pas, je sais ce que c'est. Tu vois, Rémi, quand on était dans la planque, j'ai buté un Italien là, qui s'appelait Giovanni. Tu te rappelles? Eh ben, c'est une menace de leur frère. Tu vois? Et c'est toujours... Je savais qu'il se manifesterait un jour, hein. Mais c'est toujours de l'ordre de la menace. Il n'y a pas à t'inquiéter pour ça, Valérie. Tu me brûles ça, c'est terminé. Hein. C'est... Ah, non. C'est des Italiens, hein. Petit. Il n'a jamais été très régulier aux entraînements, hein. Paul, tu peux reprendre avec Karine. Mal, un peu, c'est normal. Hein. Ah ouais. Ah, et je commence à avoir une autonomie de mouvement. Hein. C'est vrai? Oui, oui, oui. Rien. Attends, quand même. Attends. Il faut parler trop vite le début. Hein. Ouais. Attention, hein. Faut pas forcer. Attention, hein. Ça, ouais. Là, ça te coûte ça. C'est bien. Hein? Ouais. Oh, ça, dans quelques semaines, c'est fini. Hein. Ouais. Ouais, quand on est jeune, on est vite retard peu. C'est vrai. Là. Bon, c'est ce que je dis. Quand on a la jeunesse pour soi, on est vite retapé. Ah oui, c'est certain, c'est tout ça. Puis maintenant, on fait beaucoup de progrès. Hein. Oui. Ouais. Oh, maintenant, c'est tout. Bon, tu sais tout ce qu'on fait. Les trop impulsif, ça devait... Moi, je lui ai toujours dit que ça lui arriverait. Hein. Oui. C'était un beau combat. Non, c'est vrai. Faut se dire que tous les sports, c'est comme ça. Hein. On vole. Le football, c'est quoi pareil. On ne fait jamais de se démolir au football. Hein. On a reçu un rat. Ah bon? Non, par l'œil. Ah non, par l'œil. Oui, un rat par l'œil. Mais je sais bien ce que c'est. C'est encore les tarviers. Hein. Il n'y a pas longtemps, tu sais ce qu'ils avaient fait. Pissé dans la boîte aux lettres de Madame Jouquet. Et son courrier trempé de la lettre. Tout à bon à foutre en l'air. À peine lisible. Hein. Ah bon? Ah oui. Pourquoi tu les as lus? Attention, j'ai une mais... Quand tu vois ça, hein, écoute bien, c'est encore rien quand tu vois ce pauvre malheureux là. Mmh. Hein? Que c'est... Ses enfants ne viennent même pas le voir. Mmh. Hein? Oui, c'est triste. C'est triste, c'est tout ça. Moi je dis... Il y a des enfants. Dans le fond, ben, je crois bien qu'il y a des enfants. Oui, 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 parce que... Oui, il doit avoir des enfants, je suis sûre. Et il n'y a jamais personne qui vient le voir. Il sentait pas quelque chose? Oui, un peu, ouais. Sympa. La trouille? Et non, pas la trouille. Sans la merde, non? Ouais, possible. Vous avez fait caca? Hein? Vous avez fait caca? Oh, merci. T'es bien brave, mais ça ira. Hey, vous avez fait caca? Oh non, ça ira, ça va, c'est bon comme ça, et ça ira. Je vais appeler l'infirmière, hein. Oh, quoi faire, non? Il chie toute la journée. Ça ne te dérange pas? Bah, c'est toute la journée comme ça, et en plus il chante toute la journée. Oh là là. Il chante, c'est tout ce qu'il s'est fait. C'est un pharmacien. Oh. Il paraît que c'est... Ah, monsieur Goulin, c'est encore vous, là. Ah, ben, t'arrives, ben. Ah, ben, tu vas être servi. On a fait un gros caca, ça sent bon. C'est pour te faire plaisir, hein. Je chiais la nuit, je chiais le jour, je chiais partout, je chiais toujours. Mais ouais, vous étiez gentil. Hein, gentil. Si t'es pas joli, tâche-moi d'être poli. Non, mais répète un peu pour voir. Parce que moi, je suis ici pour travailler gentiment, hein. Bah, tu peux appeler ça travailler, c'est pour ton plaisir que tu fais ça. T'aimes ça la merde. Ah, tu fais bien des chéris pour de la merde, va. Tu t'en sers, hein, pense encore assez. Non, on va changer ça. Oh. Et si toi heureux que je le fasse, hein. Oh, bah tu peux pas me laisser comme ça. Tu veux que je te laisse croupir dans ta merde? Et tu fais ça pour ton plaisir. Ah, tu serais vexé s'il n'y avait pas beaucoup. Heureusement qu'ils sont pas tous comme ça. Hein. Mais n'aie pas peur, oui. T'en auras pour tes 4 jours. On va y aller, ma fille. Et tu vas apprendre ça avec ton nez qu'avec une peur. Allez-y, oui. Ouais. Content d'avoir vu. Non, mais ça va chier. Je chiais le jour, je chiais partout, je chiais toujours. Allez-y, oui, je comprends. Tu m'arrêtes le magasin toute seule. J'ai de la compagnie. Allez.
Merci pour les oranges. Je chiais le jour, je chiais partout, je chiais partout. Je t'embrasse bien fort et on ira prendre notre petit verre quand tu seras bien rétabli. Voilà. Ça va? Allez. Je chiais la nuit, je chiais le jour, je chiais partout, je chiais toujours. Ça, pour une bonne surprise, c'est une bonne surprise. C'est dans la connivence, toi. Avec plaisir. Bonjour, Jeannet. Monsieur Benoît. Ah, ça, alors, c'est une sacrée surprise. Bonjour, Benoît. Bonjour, Valérie. Salut, Benoît. Salut, Benoît. Ah! Tu aimes déjà, toi? Paf! En tout cas, ça fait rudement plaisir de voir des gens en bonne santé. Allez, c'est fini tout ça. Ça va mieux ta hanche, toi, Jenny? Ben, ça commence, oui. Faire attention, hein. Oui. Hein? Ben oui. Toi aussi, Valérie, hein? Avec tous tes médicaments, là. Surtout avec tes pilules, là. Allez. On va goûter le bon gâteau. Allez, à la vôtre. Valérie, moi-même, un petit morceau, parce que j'ai déjà mangé à l'hôpital. Et pour moi, un gros, et Valérie, comme le mien, hein. Ça fait beaucoup dégoûté. Ouais, ouais, ouais. Ah, oui, oui, oui. Excellent. Allez, à la santé de Ben. Un vrai bisou. C'est gentil, ça. Monsieur André, monsieur Vincent. Bon anniversaire, bon anniversaire. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une surprise. Ah. C'est pas très lourd, c'est déjà pas une bombe, hein? Hein? Je vais demander. Oh, ça, c'est une bonne idée, ça. Oh, une gaine. Oh, ça, c'est vraiment une bonne idée. La couleur est magnifique. Qu'est-ce qu'a choisi? C'est André. Oh, merci beaucoup, André. Vraiment? Ah oui, tu as vraiment fait bon choix. Aide-moi à le mettre, s'il te plaît, Rémi. Ah, vraiment, c'est... C'est vrai? J'en avais besoin d'une, hein. Je n'ai jamais pensé en acheter une. Vraiment, c'est du bon cuir, en plus. Valérie, va me chercher mon revolver, je vais tout de suite l'essayer. Merci. Tu trouves, Valérie? Merci. Oh, il est super. En plus, tu as une aisance avec ce truc-là, c'est tout à fait différent. Hein. Ah oui, tu peux avoir un jeu de mouvement avec ça. Tu vois, c'est vraiment. Et hop, quand tu sors. Non, c'est moi. Avoir un peu de mousseux. Encore un cadeau. S'il vous plaît. Oh, je suis gâté, hein. N'est-ce pas? Hein, qu'est-ce que c'est? Oh. Elle est superbe, Jenny. Ah, ça, je crois. Ah, vraiment, ça me fait très plaisir. Une très belle mouette. Ah, oui. Tu la vois, l'image? Oui. Bien.
Cucu. Voilà. Un peu de gâteau, Rémi? Oui, je vais terminer le mien déjà. Parce que je suis très faim. En tout cas, c'est très gentil, Jenny, hein? De rien. Et ça vous plaît. Comme dis-tu, qu'est-ce que tu as? Et tu peux me dire tu? Qu'est-ce que tu me dis, vous, maintenant? C'est vrai, je dis tu. Je dis... Ça me. Ça me. Comment vais-je dire? Ça t'émeut? Ça m'émeut. Cette belle bête. C'est pas la peine, hein. Mais voilà. Date sul televisi. Directement sur les caisses et frapper directement dessus, puis regarde, il me fait valser comme une gonzesse. Il a le temps de me péter les couilles, regarde. Bah, regarde. Elle s'est pas bougée. Bien joué de sa part. Hein. Mais là, je trouve que c'était toi qui aurais dû intervenir. Quand on travaille en équipe, on aime bien pouvoir compter sur les gens avec qui on travaille. Là, j'estime que j'ai pas pu compter sur toi. Vrai ou faux? Oui. Oui. Je trouve que c'est dommage. Mais ça ne sert à rien de faire des grimaces dans mon dos. Hein. Le verdict des assises est tombé en fin d'après-midi. Pour la dernière fois, Benoît Patard s'est présenté dans le box des accusés, la mine narquoise par-dessus sa minerve, le regard exprimant son habituelle arrogance teintée d'autosatisfaction. Avant qu'on ne me parle d'autres meurtres, qu'on me prouve d'abord avec certitude ceci. Si, et je compte d'ailleurs revoir mon client à ce sujet pour décider avec lui si nous allons en appel. Je n'ai plus rien à ajouter. Je vous remercie. Qu'est-ce que c'est que je pourrais t'apporter pour te faire plaisir? J'ai besoin de rien. Oh, Dieu, on a toujours besoin, faut pas dire ça. On a toujours besoin de quelque chose. Dis-moi, je t'apporterai de mon magasin. Dis-moi, ça te fait plaisir, je viendrai te voir souvent, je te promets.
Coluscope est venu deux fois. C'est pas longtemps, je sais pas. Je... C'est pas encore. Tu peux me ramener moi, j'y crois pas. Des cigarettes. On peut fumer? Oui, oui, je peux fumer. Je peux ramener des cigarettes, mais il faut manger parce que fumer. C'est pas tout de fumer. Moi, j'y crois pas, tu sais. Je t'assure, je n'y crois pas, tout ce qu'on a dit, je n'y crois pas. Je n'y crois pas, je t'assure. Je suis triste. Mais qu'il soit arrivé ce qu'il veut, je verrai toujours. Dans un mouvement de vent brumeux. De beaux marrons et de belles châtaignes rebondissent au sol sans qu'aucune m'atteigne. Le froid crache son droit au dernier soubresaut estival qui d'une ultime caresse d'abandon chauffe mon corps engourdi par ce nouvel assaut. Sans tambour ni trombone, c'est lui, le voilà, le merveilleux automne. C'est Ben. Valérie n'est pas avec vous ? Non. On lui a donné rendez-vous ici. Je peux prendre une cigarette ? Hein ? Qu'est-ce qui s'est passé, Valérie ? Démarre, mais... Ça va où ? Je m'en vite. Valérie ! Valérie ! Mais la merde! Tu crois que c'est bon pour les gars, la merde?
jardin. C'est grave. Ma mère n'est pas musicienne, c'est ça que tu voulais savoir, hein? Non, elle n'est pas musicienne, on avait un bête palais! Excuse-moi, Rémi. Je suis désolé, gamin. Je vais passer prendre quelques affaires dans l'armoire. C'est quand même une belle planque. Pardon ? Je dis que c'est quand même une belle planque. Je sais pas. Partir de toute façon. C'est un endroit où tu sais aller, tu sais où voir des gens. Vous êtes là aussi. Allez, Rémi. Pigeon. Animal à la robe. Dans l'enfer des villes. À mon regard, tu te dis, oh, c'est bien, tu es vraiment le plus...